salut tout le monde. Eh bien, on est parti pour le road trip pour Bordeaux. Ouais, donc c'est un road trip qui va passer par Montpellier, Nîmes et tout ça. Donc la première étape, c'est Valence, donc à 70 km. Là, on part de Vienne. Donc c'est parti là, via la Rhône. Exactement, on commence par la Via Rhône pendant quelques jours. On l'a fait jusqu'au bout. Et après, direction Bordeaux par une vraie véloroute. Il y a David qui essaye de porter le sac de Arlo. Qu'est-ce que t'en penses? Je vais essayer de te répondre en desserrant les dents. Yo tout le monde, on est au début du matin du jour 2. On vient de se réveiller, donc hier en fait on est passé à Valence. On a mangé au restaurant au final, c'était... On s'est fait plaisir, on a chargé jusqu'à super tard. On est sorti, là on est à 8 km de Valence, le temps qu'on trouve un endroit pour dormir. Il était 3h du matin. On a galéré à trouver nos arbres, parce qu'il y avait des araignées grosses comme ça un peu partout. À chaque fois qu'on avait un arbre qui passait, on commençait à zéro, on cherchait autre part. Des arbres hautes, très hautes. Des arbres très hautes, ouais. Bon, après, c'est un peu le lot de partout.
petite glace de Christian Miran. Près de Montélimar. Bon, on est reparti sur la route pour destination de Mornas. Il nous reste 56 km. On vient de partir de la base de loisirs de Montélimar. On a pris un bon bol de relaxation. On a mis des hamacs. On était au bord d'une plage. Puis, ouais. Et puis surtout, ouais, il est déjà 18h, c'est ça? Ouais, on a bien procrastiné. Et surtout, on a pu revoir notre ami Christian. Donc, un petit coucou à Christian. Merci beaucoup. Hein. Pour ton accueil encore aussi chaleureux, parce que c'est la deuxième fois qu'on vient. La première vidéo, enfin notre premier road trip en Camargue n'est pas encore sorti, du coup voilà, vous savez pas. Mais ils nous avaient très bien accueillis et donc là c'était pareil, et puis c'est l'endroit où on mange le mieux au monde avec le meilleur panorama. Vous serez très bien accueillis si vous allez les voir. Franchement c'est un arrêt un petit peu obligatoire et très très conseillé, donc voilà. Et ça nous a fait beaucoup de bien. Donc là on est reparti pour 56 km et on a une autre très belle destination qui nous attend qu'on a encore fait une fois de plus sur le road trip en Camargue. C'est un petit parc où c'est pas très... Enfin c'est un parc qui ferme et qui ressemble à la Tête d'Or, c'est super beau. Et le parc va nous appartenir, on sera tout seul, on va pouvoir se baigner la nuit. Et surtout, en fait ici il pleuvait, donc en fait on se force à aller un peu vite parce que là-bas il pleuvra pas. On arrivera sûrement la nuit, mais...